Mesdames et messieurs, bonjour, c'est BFA, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Fortnite Battle Royale en compagnie du Gobelin des îles. Salut. Arrête, on est en train de voir la nouvelle arme, c'est Farce Attack, il sait pas se présenter normalement, comment vas-tu? Ça va et toi? Est-ce que tu vois la nouvelle arme derrière moi? Ah ouais, elle est belle, hein. Ah oui, je vais bien. Et regarde, elle est stylée. En fait, ce qui va être stylé, c'est quand on va voir les personnages avec l'hologramme. Alors les amis, je vous invite à faire péter un 5000 pouces bleus si vous voulez revoir Farce Attack sur une prochaine vidéo. Je t'ai vendu pour 5000 pouces bleus, en gros, c'est ça que ça veut dire. Sympa. Et donc on va regarder cette nouvelle arme, et après bien sûr faudra qu'on aille la chercher tout ça machin, mais en attendant faut qu'on voilà, il y a eu déjà des premières images de personnes qui l'ont trouvée, et personnellement bah écoute, moi je la trouve grave stylée, mais tu vas plus l'apprécier quand tu vas voir comment on voit les... Ah voilà, regarde, t'as vu? Ah ouais, à travers la fenêtre. Voilà, quand tu vois en forme d'hologramme de tout fluorescent là à travers, ouais. C'est technique, c'est vraiment sympa, nouveau concept, ça va apporter pas mal de choses, des nouveaux clips, ça va être très très sympa. Elle est en or aussi. Elle est en or et elle est en épique, donc en violet. Là c'est vraiment, on l'a pas vu là, alors je sais pas, c'était bizarre, attendez, on va voir, je pense qu'on va voir à un moment donné, un petit moment où, clac. Enfin c'est pas à travers les murs, j'ai dit n'importe quoi, c'est non, en c'est fait... Non c'est pas à travers les murs, c'est juste que, mais dans la nuit c'est très visible et ouais, ça rend en fait beaucoup plus visible... Le personnage tout, de loin. Tout ce qui est buisson, quoi. Tout ce qui est buisson, c'est rip. Hein. Tout ce qui est buisson. Ah oui, et ça, c'est une bonne question. Est-ce que le buisson, il... Ouais, il sera pas protégé vis-à-vis de ça, alors. Ah ouais, c'est énorme. C'est un buisson, ça. Ah, c'est bien vu, c'est un nerf du buisson. Mais t'as vu, là, je passe la vue, là, il va très vite. Mais t'as vu, on voit, je trouve que pour viser, c'est énorme. Regarde là. Bon, là, il était prêt, mais. Mais de loin, je trouve que. Franchement, elle a de l'intérêt. Alors après, faut voir les dégâts. J'ai pas trop fait gaffe. Je sais pas combien de points ça mettait là. Je sais pas si c'est du 21, quelque chose comme ça. On va regarder, on va voir si on a une petite action. Et par contre, c'est un snipe là, je vois pas trop de loin là. C'est pas le de snipe ou pas? Non, hein. C'est un fusil d'assaut, donc c'est une AR scopée thermique. Alors lui, okay. Par contre, il est un peu trop près. Bah du coup, ouais, ça va faire une alternative à l'AR scope qui est déjà présente. Que moi j'aime bien quand même. Elle est pas trop jouée quand même. Non, elle est pas trop jouée, mais je l'aime bien quand même. C'est vrai que si t'as un bon shoot, tu préfères un bon snipe à une balle, j'ai envie de te dire, ou même un auto. Mais quand t'as un shoot un peu pourri, c'est toujours pas mal. Regarde, on voit super loin hein, quand même. Hein. Là, je pense que tu vois, avec l'AR scopée de base, t'aurais beaucoup plus de mal. On va essayer de le choper là. Elle est derrière une construite, je sais pas si on va le voir. Moi je trouve qu'elle est bien, franchement elle a l'air bien. Alors après, est-ce qu'elle va être dure à trouver? Je pense que ça va être comme la FAMAS. Oh regarde là, t'as vu? On a l'impression que c'est un petit lapin. Regarde mec, c'est quand même pas mal hein. Et par contre, ouais, grave, voilà, la précision. Ah, elle a mis un petit 37 hein, quand même hein. Ouais, de loin ça va être. Il a mis un petit 37 en légendaire. 3 balles, tu défonces s'il est pas shieldé. Ça peut être pas mal. Moi je pense que ça peut être pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le en commentaire. Moi je suis. Comme je l'ai dit, moi j'aime bien les AR scopés de base. Donc celle-là, je vais kiffer la trouver. La FAMAS de base, moi je l'aimais bien. Je sais pas ce que t'en as pensé toi. Moins bien que la SCAR quand même. Ouais, c'est pas. Ouais, mais. Sympa. Ouais, mais c'est pareil, je trouve que c'est pas mal quand même quand tu touches quand même avec la rifle calmée. Ça fait pas mal de dégâts. La rafale, je veux dire. Attends, est-ce qu'on va voir encore une action? Ah non, c'est trop tard. Ok, écoutez, voilà, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Nous, on va passer sur. Regarde, c'est toi qui aimes bien les. Voilà, tu voulais des idées de troll? Regarde, tu veux pas qu'on fasse ça? Ah ouais, Camille. On pourrait. Ouais, mais regarde, là il en a fait à deux. Mais on pourrait se faire peut-être un gros carré, tu vois, et on en met de tous les côtés là. Tu vois, et ça fait un espèce de. Non, mais attends, il y a une nouveauté qu'on n'a pas précisé. C'est que maintenant on va pouvoir mettre les pièges sur les escaliers. Ah, effectivement, j'ai pas regardé les news. Tu peux nous en. Des pièges sur les escaliers, ça peut être énorme ça. Ouais, du coup, ça va être. Je crois que c'est tous les types de pièges. Donc, on va pouvoir mettre des rebondisseurs, des pièces à trappe, je crois. Enfin, ça va être assez énorme. On va plus faire que des sauts en longueur, on va aussi faire des sauts en hauteur. Là. On pourra taper les escaliers et. Faire des nouvelles possibilités de trolls, de vidéos. Ça peut être sympa. On va se trouver des petits concepts. Quoi. Ouais. Écoute, le jetpack, il est sorti. Il est fini, je crois. Et le jetpack est. Ouais, malheureusement. Moi, j'ai adoré. Alors personnellement, alors tiens, pendant qu'on parle du jackpack, il n'utilise pas, mais regarde, il y a l'espèce de glitch sous le sol là, je sais pas si t'as vu. Ah ouais. T'as des mecs qui se baladent sous la map. C'est propre. Et du coup, ils ont ajouté le petit terrain de foot aussi. Et du coup, on a un nouveau terrain de foot au-dessus de Prison Park. Prison Park, ouais. Ouais.
Donc allez visiter pour la Coupe du Monde. Est-ce qu'ils vont nous faire monter chaque semaine un décor supplémentaire vis-à-vis de la Coupe du Monde? Ah, je pense. Ah, peut-être, ils vont nous faire comme la comète, mais version Coupe du Monde. Et on va avoir des, on va avoir des ballons de foot qui tombent. Des stades partout, tu sais. Ouais. Et là, je sais pas si il y a un gros bug, il peut monter dans la voiture en fait. T'as vu? Ah ouais. On attend les véhicules. Alors bon, certes, on a le caddie, mais alors du coup, les véhicules, on se demande si finalement, s'ils ont du mal à arriver, c'est parce que tous les bugs que ça génère. Yeah, c'est ça, c'est pas évident d'implémenter un. On a un caddie, par exemple, ça te rajoute plein de bugs. On a vu d'ailleurs que. Bah, on a eu des records de monde de bugs avec le caddie. Hein. On pouvait même rentrer dans le bunker secret de Wellingwood. Voilà. Non, mais après, c'est vrai ouais, qu'on c'est a. C'est vrai, des endroits où tu pouvais pas rentrer, tu peux rentrer, tu vas sous la map. On avait des records de 87 kills cheatés. On a eu quand même. Et ça a quand même bien sali le jeu, mine de rien. Même si c'est assez fun. Ouais, mais c'est marrant, c'est marrant. Ouais, c'est vraiment marrant. Alors justement, il y a aussi. Je sais pas si t'as vu, mais ça a été leaké. Le comment ça s'appelle, le loading screen de semaine 7 ou semaine 8. Là, je sais pas, à un moment donné, c'est vers la fusée. Donc tu vois qu'il va se passer un truc avec la fusée. Ouais, je sens là, ouais, là, pour la saison 5 à mon avis. Donc voilà, on commence à petit approcher, on va dire deuxième partie de la saison 4, donc fin de saison 4 bientôt. Et déjà, on va arriver dans un nouveau retournement de cerveau. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va être effectivement un décollage d'une fusée cette fois-ci? C'est possible, hein. Ils nous l'ont fait sur Sauver le Monde, alors peut-être qu'ils vont nous reprendre ça un petit peu et nous faire un truc. Pourquoi pas? Ça serait synchronisé avec la Coupe du Monde? Sait-on jamais. Alors on va revenir sur les actions. Alors justement, on parlait de la fusée. Là, justement, il y a le logo des vilains qui est indestructible, justement. Et beaucoup ont parlé justement d'une théorie de affrontement entre les vilains et les super-héros. Le tout dans un film. Qu'est-ce que t'en penses? Film, science-fiction, réalité? Film. 100% film, mais ça peut être un film et qu'il fasse le truc, je veux dire, pourquoi pas. On aurait pu dire que même que la comète, tout ça, c'était un film, mais ça s'est quand même produit. Il y a quand même eu un cratère. Écoute, t'as une réponse dans 30 jours. Hein. Réponse dans 30 jours, mais bon, il va falloir spéculer quand même encore. Et oui. Bon, on revient sur le basketteur avec Jackie, le petit lapin. Oh, regarde, c'est stylé ça. Attends. Eh ben non. Eh ben non. Il s'est tapé un gros bug. Rip Jackie, oh Rip Jackie, t'as vu ce bug aussi. Ouais, ça c'est stylé, mais c'est au ralenti, ouais, c'est un. Ouais, y'a le bug du ralenti aussi, je sais pas si tu l'as eu, on l'a vu sur un caddie, y'avait un mec qui volait, qui arrivait plus à descendre du ciel. Ouais, c'est vrai que c'est fou le coup de bug. Oh non, là, je sais pas. Et là, wow. Là, il s'est pris des balles de. Je sais pas si tu vois, mais. Ça venait du plafond. Ouh, lui il a perdu la tête. Ah ouais. C'est pas excellent. Mal ça. C'est bon ça, avec un fil, là. Ouh là. Putain, voilà. C'est un spécial funny moment bug quoi. Ouais, alors dans les funny moments, on a la partie skill en général, c'est à la fin, on a la partie bug, c'est au milieu, on est au début donc on doit. Il a pris le piège. Il a pris le tarif, le pauvre. Ah, regarde lui aussi, il est sous la map. Ah bah voilà, il y a un caddie comme de par hasard. Un mec traîne sous la map. Ça va être patch tout ça. Ouais, mais regarde, mais il a pas tiré, alors je sais pas s'il a pas tiré parce que tu t'es pas voulu nous montrer qu'il pouvait le tuer ou alors il ne peut pas le tuer, c'était la question. GG, le petit pneu qui marche pas, du coup il a pris cher derrière. La petite pioche licorne qui fait plaisir. Petit lama. Le lama. Lama volant. Ah mec, c'est un incroyable Hulk. Il est tout vert. Je sais pas si t'as remarqué, ils ont mis une petite tache jaune au-dessus du ballon. What the fuck. Ouais, ça c'est des bugs graphiques, ça pure. Oh là là. Ah non, si, c'était un personnage, regarde, je crois. On voyait les bras. Oh, et lui il avait une tête de sauver le monde. Des fois tu fais ce bug. Il avait le skin de le premier, là, un des premiers qu'on avait, le squelette là, je sais plus comment il s'appelle. Double gant du bras, ok. Sans pression. Ouais, sans pression. Ah là on n'entend pas en fait, c'est il est avec Dr. Lupo, mais c'est son fils qui joue là. Donc le fils regarde. Il le reste pas, il le trompe. Oh là là. Il l'a pas respecté. C'est abusé. Là, c'est trop chiant quand t'es ça. Ouais. Ah, la pioche. Mais t'aimes bien le faire aussi, remarque, hein. Ouais, surtout sur toi. Ouais, merci beaucoup, ouais. Avec les vrais plus, je me rappelle. D'ailleurs, une petite vidéo sympathique. De vengeance, tiens. Que je sortirai un jour. Des bons dossiers. Alors là, ils sont dans la tempête, ok, j'ai pas compris. Attendez. Oh là là, la réponse du jetpack.
Ouh, ça c'est vicieux ça. Ah regarde, mais ça, ça faut qu'on le fasse avec un... sur quatre côtés, ça peut être drôle hein. Mais je sais pas si tu peux en mettre sur quatre côtés quand il y en a un qui est, si tu veux, qui touche. Non, si tu en, son, non mais on fait un plus large. Et ça finit comme ça malheureusement, purée c'est passé vite, mais si on en fait un peu plus large et voir pourquoi pas autour du terrain de foot, hein. Ça je t'ai passé une idée là, avec le ballon et tout, si on commence à taper des actions, on pourra faire des retours acrobatiques genre comme dans Olivier Tom. Bon bah j'espère que la vidéo vous aura plu et que la nouvelle arme vous plaît les amis, dites-moi en commentaire si vous l'avez trouvé, qu'est-ce que vous en pensez, farce, je te laisse le mot de la fin, bisous à tous, ciao ciao.